Et bonjour à tous, aujourd'hui on est reparti sur Armored Warfare et on est parti avec le M2 Bradley. Alors, un véhicule scout rang 8 d'un revendeur standard. Ouais, un scout. On peut pas trop dire que ce soit un scout parce qu'il a quand même pas la mobilité d'un scout. Il a pas son accélération et sa vitesse de déplacement pour se rendre à droite ou à gauche ou vite repartir en arrière. C'est quand même un char à chenilles, il est pas péchu péchu. Enfin, je veux dire, il y a d'autres chars qui sont beaucoup plus péchus, mais lui, à chenilles. Mais lui, ouais, bon, je le verrais plus comme un chasseur celui-là. Bon, il a un très bon canon automatique, un très bon lanceur de missiles. Ouais, vous pouvez prendre quelques ricochets, mais rares ricochets, hein, parce que vous avez des Kagera tout autour, mais bon, c'est pas fantastique non plus. C'était un scout quand même à la base, hein. Il n'a pas un blindage exceptionnel. Mais c'est un véhicule qui a eu des hauts, des bas, hein. Un coup qui était un peu meilleur, un coup qui était un peu moins bon. J'étais pas mal joué à une époque, quand il y avait le Lord of War. C'était en rang 8, pour moi c'était le meilleur char à ce moment-là. Par là, ça m'étonnerait qu'il y ait du monde en haut. Des fois ça arrive, des fois non. On va vite le savoir. De personne. C'est pas qu'il a pas une bonne mobilité, mais je sais pas. Je le vois pas en scout celui-là. Je sais pas. Oui, bah ça on a le temps, on peut même les faire à la fin, hein, fusion, les missions secondaires. C'est le seul où vous pouvez tuer tous les chars et en fait compte, c'est un peu comme à... Comment s'appelle l'autre qui est dans la neige là? Scorpion, c'est pareil, vous pouvez tuer tous les chars et faire les missions secondaires à la fin et c'est quand vous faites la dernière mission secondaire, c'est à ce moment-là que la partie s'arrête. Donc c'est pas embêtant. Beaucoup missile celui-là. Mortibus.
Oh là 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 là. Attention, attention. La fusion, faut faire vraiment attention, surtout la deuxième cape. C'est là où la plupart du temps les gens perdent le plus souvent leur char. Un autre qui arrive par là, non? Oh, le Merkava qui veut faire absolument l'émission. Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. On va faire attention. Voilà pourquoi on va faire attention. C'était pour ça. Fallait faire attention. Un angle, non, il est carrément derrière là-bas lui. Alors qu'est-ce que j'ai spoté? Voilà. On va passer ça là. Alors. Qu'avons-nous là-bas? Bien qu'ils sortent là, là y a personne. Pas personne. Aïe. Non, 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 non. J'ai pas le bol aujourd'hui. Char qui spot, qui arrive derrière. Quand j'y étais, ils arrivent après, c'est ça qui est pénible. Du métafumigène, mais bon, j'avais la flemme. Ouf. Ce qui est marrant, c'est que il tire pourtant des missiles, à chaque fois que vous mettez un coup, ça se met dans le tableau à chaque fois que. Et lui, il tire tellement vite ses missiles que l'ordinateur, bah, il considère qu'il a tiré qu'un missile en fait. Quand... Le cumul se fait tellement vite que. Pff, c'est. Donc c'est bien la preuve que les chars en face tirent plus vite que vous. C'est en ça que c'est pas trop logique non plus.
Ah, je fais 11 000, j'ai spoté 9. Sur les 9 que j'ai spoté, personne n'a tiré dessus. C'est toujours pareil la plupart du temps. Une fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, bah, vous allez faire un gros score. Tout le monde a tapé dessus, on sait pas pourquoi. Alors soit c'est vraiment le hasard, ou alors je pense qu'il y a un problème de programmation à ce niveau-là. Parce que des moments, il y a une trop grosse différence entre les totaux de dégâts des chars qu'on a tués et les dégâts d'assistance. Et logiquement, il devrait y en avoir quand même plus. Parce que à chaque fois qu'un char est spoté, vous n'êtes pas le seul à taper dessus, donc l'assistance, il devrait y en avoir beaucoup plus que ça. Donc c'est là qu'est le problème aussi. Il y a plein de petits problèmes dans le jeu, il est très bien, mais il y a plein de petits trucs qui font que quand vous avez l'habitude de jouer, bah souvent, vous vous rendez compte de tous ces petits sceptiques. Et c'est vrai que ça pourrait être réglé, ou au moins amélioré déjà. Ce serait déjà une bonne chose de fait. Donc voilà, bon, c'était le M2 Bradley. Bon bah allez, je vous dis à plus au prochain char. Allez, ciao ciao!